plaît, on vient bien appuyer d'un côté de l'autre. Impeccable. Le but de ces exercices sur plateforme, c'est de travailler les appuis et l'équilibre sans que la personne elle y réfléchisse trop. C'est-à-dire que quand on marche, on n'y réfléchit pas, on discute en même temps. Ben, l'équilibre, c'est bien aussi de commencer par des chemins un peu réflexes. C'est marrant, c'est bien. On s'amuse en travaillant. Allez, allez, allez. Toujours, toujours tirer, 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 tirer. Parfait. Je suis arrivé un jour en consultation parce que j'avais des douleurs importantes au genou. Et avec le diagnostic qui m'a été fait, on m'a proposé de participer à un protocole de recherche que l'équipe de kiné du CHU de Clermont mettait en place. Et c'est la dernière. Parfait. Je ressens vraiment un plus à la marche, par exemple. Oui, donc c'est un mémoire de fin d'études sur la prise en charge en kinésithérapie de patients malades d'Alzheimer. C'est une prise en charge qui n'existe pas pour l'instant. Grâce à ce type de programme, on va pouvoir améliorer concrètement les situations de double tâche chez la personne âgée, ce qui est vraiment le but, c'est toujours d'améliorer donc leur autonomie. Les techniques de prise en charge ont évolué ces dernières années au niveau de la rééducation périnéale. La plus connue, c'est le biofeedback, où à l'aide de sondes ou de capteurs, on va pouvoir enregistrer l'activité des muscles du plancher pelvien et les faire visualiser à notre patient en temps réel, ce qui permet de les entraîner, de corriger son mouvement. Je dois dire qu'effectivement cette méthode sur ordinateur est à la fois ludique et performante, mais l'auto-travail n'est pas du tout contraignant. Monsieur B, qui est avec nous depuis pratiquement un an, c'est une pathologie très lourde, qui avait un tableau de tétraplégie. Ben, vous le voyez maintenant, hein, il arrive à se verticaliser. Ici, bon ben, vous prenez une épaule qui vient d'être opérée, vous mettez un petit flotteur et l'épaule elle commence à bouger. Bon, c'est valorisant pour le patient mais pour ceux qui travaillent à côté aussi. Donc c'est pour ça qu'on y reste là. Je n'ai pas trop dit, c'est bon. Ben, respirez bien tranquillement. Au moment de l'intervention, vous voyez qu'elle est allongée pendant toute la journée sans médicament. Donc elle est bloquée. Les patients éprouvent le besoin d'avoir des mouvements passifs pour les aider à se détendre. Le kiné va leur permettre de mobiliser les articulations, les muscles, de façon à détendre la patiente. Et en plus, ça a un petit réconfort psychologique. Voilà, je vous aide à lever les jambes, les deux en même temps. Ça agit plus au niveau des reins. Oui, voilà. Très bien. Elle est née par césarienne la semaine dernière. Il y avait 13 jours. Elle est née à 30 semaines, 2 mois et demi d'avance. Et moi, je viens la voir pour, quelque sorte, la moucher. Et quand tu fais de la kiné respiratoire, tu nettoies les poumons. Elle va un petit peu mieux tous les jours actuellement. Elle a la chance d'aller dans le bon sens.